coup, je m'appelle Nasser Eddine Dari, je suis le président de l'association Génération Plus. Alors c'est une association en fait qui intervient donc du coup au Maroc sur différents domaines. Donc du coup le domaine de la santé pour tout ce qui est dispensaire, le domaine dans des orphelinats pour les enfants abandonnés et aussi dans les maisons d'accueil pour les personnes âgées. Alors j'ai un projet qui me tient énormément à cœur en fait, c'est un projet qui est relatif à l'éducation au niveau des zones rurales au Maroc. Alors au niveau de l'association, on a un projet actuellement, en fait c'est un projet d'accompagnement scolaire pour des enfants qui sont dans les villages défavorisés au Maroc. On leur distribue toutes les fournitures scolaires nécessaires pour leur scolarité, avec un engagement des parents bien évidemment qui laissent leurs enfants aller à l'école, et aussi un engagement des profs parce qu'on organise aussi derrière des cours de soutien. Et donc du coup le projet on l'avait mené sur deux phases, donc, du coup la phase de l'année dernière en fait qui a concerné un groupe scolaire au niveau de la région de Terre-Udent. Donc du coup ça a compris 150 élèves, et l'année dernière en fait on s'est concentré sur deux régions, donc, parce que le but c'est vraiment d'essayer d'élargir au maximum la couverture de ce programme. Donc du coup on a été dans la région Tata et également dans la région de Terre-Udent où on a mis en place une école en fait une sorte en fait d'école maternelle pour préparer les enfants au mieux à intégrer leur scolarité. Rahmatullah wa barakatuh, Mohamed Al-Azzawi, artiste et parmi le membre de l'organisation avec en partenariat avec l'association Solidarité des Marocains du Cliché et l'association Génération Plus. Inch'Allah, voilà, on souhaite que tout le monde soit avec nous dans cet événement. On est fiers de ce qu'on a fait avec les associations. Et alhamdoulilah, on souhaite qu'il y aura du monde. Inch'Allah. Yo.